Aal est un outil collaboratif qui propose aux déposants de multiples fonctionnalités, parmi lesquelles le partage de propriété. Cette fonctionnalité permet aux contributeurs de partager la propriété de ses dépôts avec un ou plusieurs utilisateurs, par exemple ses co-auteurs. Pourquoi un partage de propriété des dépôts? Cette fonctionnalité donne la possibilité à un autre utilisateur d'améliorer ce dépôt, de le modifier. Ce dernier peut enrichir les métadonnées en ajoutant un résumé, des mots-clés, rectifier son affiliation ou encore ajouter du contenu en texte intégral. De plus, le partage de propriété d'un dépôt évite la création de doublons, puisqu'un seul dépôt est effectué, accessible et modifiable par plusieurs utilisateurs. Ce dépôt partagé est présent dans l'espace de chacun. Comment demander le partage de propriété? Cette fonctionnalité vous est proposée en plusieurs points d'accès. Vous pouvez afficher la notice sur laquelle vous souhaitez obtenir des droits, sélectionner la fonction « Demander la propriété » située en partie basse de la notice. Indiquez ensuite un motif pour justifier votre demande, puis cliquez sur « Envoyer la demande ». Celle-ci est alors adressée au contributeur ainsi qu'à tous les utilisateurs disposant du partage de propriété sur le dépôt. Vous recevrez un mail pour vous indiquer si votre requête est acceptée ou refusée. Si votre demande est acceptée, vous retrouverez la référence dans Mon espace Mes dépôts. Vous pouvez la sélectionner, puis en cliquant sur Pour le document sélectionné, la consulter en choisissant Voir, la modifier avec Modifier les métadonnées, déposer du texte intégral avec Ajouter un fichier. Vous pouvez aussi retrouver cette fonctionnalité de demande de droit dans Mon espace Mes partages de propriété. Sélectionnez l'onglet Demander la propriété d'un dépôt. Saisissez ensuite l'identifiant Aal du dépôt. Ce dernier est construit avec le nom du portail sur lequel le dépôt a été effectué, suivi d'un tiret et d'une suite de chiffres, puis de la version du dépôt. Comme précédemment, indiquez un motif pour justifier votre demande, puis cliquez sur « Envoyer la demande ». Enfin, vous pourrez demander la propriété de plusieurs dépôts à partir d'un résultat de requête en sélectionnant plusieurs références. Vous cliquez ensuite sur « Outils »,« Demander la propriété ». Suivez ensuite à l'identique la procédure présentée précédemment. Comment suivre vos demandes de partage de propriété? Vous pouvez retrouver toutes vos demandes de partage de propriété en cours dans Mon espace Mes partages de propriété. Dans la rubrique Demander la propriété d'un dépôt, cliquez sur l'onglet Voir les demandes envoyées. Comment partager ses dépôts? Chaque déposant peut partager la propriété de ses dépôts avec un tiers. Notez que les référents Aal des laboratoires ont le droit de partager les documents présents dans leur collection. Une fois connecté au portail Aal, cliquez dans le menu Mon espace puis Mes partages de propriété. Sélectionnez le ou les documents que vous souhaitez partager, puis dans la case Sélectionnez l'utilisateur, mentionnez le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la propriété de votre ou de vos documents. Parmi la liste qui s'affiche, cliquez sur la personne de votre choix, puis sur le bouton Partager la propriété. Si vous souhaitez partager vos dépôts avec d'autres utilisateurs, recommencez la procédure pour chacun. Trois autres points d'accès à cette fonctionnalité de partage de propriété vous sont proposés dans Aal. Sur un dépôt, sur une liste de dépôts issus d'une recherche ou dans Mon espace Mes dépôts. Parlons à présent du partage automatique. La propriété d'un dépôt effectué par un tiers vous est accordée automatiquement si vous êtes identifié comme auteur de la publication. Cette identification repose soit sur l'utilisation de votre idéal dans le dépôt, soit sur celle de votre forme auteur comprenant à l'identique de votre profil vos noms, prénoms et adresses mail. Si vous avez accepté dans Mon espace, Mon profil, Mes préférences de réception de courriel de recevoir des notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur, un mail vous sera alors envoyé.